de Leroy Sané. Mais comment il a fait? Il a fait une extension incroyable. Il y avait quelqu'un juste derrière. S'il ne faisait pas ce saut de Cabri, il y avait le but derrière. En tout cas, Danilo Pereira, il faut le dire, le portugais qui est extraordinaire en défense centrale. Navas qui est extraordinaire. Navas qui fait un sourire. Il s'est pas pété la cuisse. Il s'est pas pété les adducteurs. Oulala, il s'est pas pété le rein. Il demande quelque chose en tout cas. Keylor Navas, ou alors il gagne un peu de temps. Keylor Navas, on va rentrer. Ça y est, on est entré dans la dernière minute. De temps additionnel pour le Paris Saint-Germain qualifié. 50 secondes avant la délivrance pour le Paris Saint-Germain. Attention, pas de bêtises. Pas de bêtises. Pas de but. Un deuxième but encaissé pour les gens du Paris Saint-Germain. Et ce sera la délivrance. Ce sera la demi-finale. Il a la balle à l'épaule. Mais c'est pas grave. Il faut que cette épaule elle tienne encore quelques secondes pour aller chercher la demi-finale de la Ligue des Champions. C'est une immense soirée de sport. Franchement, on adore le football. On est né pour ça. Ça fait Caro. T'as 40 balais. J'ai 43 ans. On vit pour ça. On vit pour ces grands moments de sport. On vit pour des émotions. On vit pour des larmes. On vit pour des pleurs. Des pleurs de joie. Des pleurs de larmes. Le ballon va être dégagé par Navas. Maintenant, il y a Messaoud qui est juste à côté de nous. Messaoud, tu peux venir avec nous. Messaoud, tu peux nous accompagner sur le tapis rouge. Allez, du bonheur. Avec 20 le secondes encore à jouer. Le long dégagement. Loin derrière. Mais c'est pas impossible qu'il y aura encore 30 secondes additionnel supplémentaire. Le ballon pour Neuer. Il y aura une dernière occasion. Allez, Navas qui va mettre. Ou plutôt Neuer qui va mettre le ballon. Loin devant. Encore quelques secondes à jouer. Pour l'instant, c'est le Paris Saint-Germain qui est qualifié. Il est très pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Allez, derrière, il faut garder le ballon le long des touches. Oui, il faut le garder. C'est bien. Pour le Paris Saint-Germain. On a dépassé les 4 minutes de temps additionnel. Neymar, allez, Neymar, la faute là de Lucas Hernandez. Sur l'arbitre, regardez. Paris qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Fini les démons. Manchester United dans le temps additionnel. Voilà, face au tenant du titre, le vainqueur, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Paris l'a fait, Paris a perdu 1-0. Mais Paris est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions.